Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le jeu Core Space. J'ai créé un scénario euh, sur le thème Stargate SG1 et Stargate Atlantis. Je compte développer pas mal de choses là-dessus, comme je l'ai fait sur le jeu Rangers of Shadow Deep, que vous pourrez retrouver en haut à droite de cet écran. Mais étant limité un petit peu par la techno euh, du jeu, étant donné qu'on est dans un monde héroïque fantasy, Core Space se euh, marie bien avec cet univers de Stargate. Alors ce que je vous propose à travers cette vidéo, au-delà bien sûr du fichier que vous pourrez télécharger dans la description et dans les commentaires épinglés, c'est vous apporter quelques petites précisions. Comme vous le savez, créer un scénario, euh, c'est pas évident, il faut avoir l'idée, la mise en place prend du temps, ça m'a pris à peu près deux jours, il a été testé quelques fois. Sur le groupe Facebook Core Space France, dont je salue tous les membres. J'ai quelques retours, donc là j'ai un petit peu adapté, on va dire, les retours qui m'ont été proposés. Quant à moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur la table de jeu et on va apporter, je vais vous apporter quelques petites précisions, notamment au niveau de la mise en place et quelques petites, on va dire, quelques petites études sur le moyen de jouer, notamment les détails de l'infiltration qu'on va pouvoir voir tout de suite. Allez, c'est parti. Alors voici une présentation sur la vue d'ensemble du scénario. On va regarder quelques détails ensemble car j'ai conçu cette table dans un premier temps physiquement, c'est-à-dire comme vous la voyez. Euh L'heure actuelle, et ensuite je suis allé sur le site de Battle System avec leur concepteur de, de cartes. Alors il s'avère qu'il y a quelques petites rectifications. Alors, moi je suis sûr de la composition de cette table, mais sur le logiciel il y a un petit décalage que je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Donc, ce que je vous propose de faire dans un premier temps, ça va être de vous montrer euh, caméra au point la disposition de la table et vous apporter vous apportez des précisions sur les objectifs du scénario, euh, sur euh, les points d'entrée, sur la téléportation. Alors je vous laisse télécharger le fichier, je vous passe volontairement le background euh, du jeu hein, qui introduit euh, la Stargate, euh, mais on va regarder surtout les éléments qui nous intéressent. Alors, si on se place sur euh, le plan de mise en place que j'ai conçu sur le site de Battle System, on peut voir qu'il y a une annotation à droite qui s'appelle NB, voire photo pour positionnement de la fenêtre. Alors, il s'avère que lors de la conception de la map, j'ai conçu celle-ci euh, en 3D, hein, euh, donc avec les décors du jeu, et ensuite je l'ai répercuté sur le, le logiciel, sauf que. Bah pour une raison que je ne connais pas, pourtant j'ai tout revérifié, les murs, la longueur, etc. Bah il s'avère que j'ai euh, ce problème. Et là, si on regarde directement sur la carte, on peut s'apercevoir que pourtant je suis bon. On regarde sur la carte, on s'aperçoit que j'ai euh, un mur long. Donc voilà, j'ai un mur long, j'ai un petit mur et ensuite j'ai la fenêtre. Donc voilà, c'est euh, ça qui m'a un petit poil étonné euh, au niveau de, euh, bah de, de la conception. Donc ça, vous rectifierez-vous. Hein, vous regarderez, c'est pas gênant. Limite, si, si vous vous trompez, bah, s'il y a un peu d'espace ou si ça dépasse de la carte, ce n'est pas grave. Petite précision, une fois de plus, ici, là. Voilà, là où on a l'évacuation d'air, ou je ne sais pas à quoi ça, ça ressemble, si on répercute ça sur la carte, on peut s'apercevoir que j'ai trafiqué le mur. Euh, je, il, il paraît plus long que d'habitude. Pourquoi Tout simplement parce qu'au euh, ben qu niveau de la, de, la, de la carte, pareil, euh, j'ai eu un petit souci. Donc voilà. Donc, mais là, je vous confirme bien que le mur qui est ici, on peut le voir, hein, est un mur long. Voilà, c'est un mur euh, qui n'a pas d'entrée. Voilà, c'est euh, les petites précisions que j'avais à vous apporter euh, sur la conception de la carte. Alors, on va voir aussi au niveau de la stargate et du positionnement des entrées euh, des, de la purge. Donc, vous aurez ici euh, un, un, un pion de, de spawn, hein, comme on dit, d'apparition. Ici, là, là. Là-bas, et un ici. Là, je vous ai mis en rose, avec des petites gemmes. Alors, pour ceux qui me posent la question, où c'est que je les ai trouvées, je les ai achetées euh, dans un magasin qui s'appelle Bazarland, dans le, dans le, le rayon en fait. Voilà, c'est un petit peu des, des, petits, euh, des petites euh, pierres. <laughs> voilà, des petites pierres sympas. Voilà, ça, c'est les zones d'entrée hein, que j'ai matérialisées par rapport au plan. Alors, à savoir que vous allez être téléporté. Hein, donc, euh, par des moyens beaucoup plus sophistiqués qu'il y a habituellement dans le jeu. À ces endroits, donc ça veut dire que vos figurines, un petit exemple, quand vous allez jouer en alternance, parce que c'est du full co-op ou solo, ben vous allez commencer votre phase ici. Et ensuite, vous allez vous déplacer. Et le perso d'après, il reviendra, il sera téléporté ici. Donc, il n'y a pas de notion de, de, on va dire, d'apparition, enfin d'amarrage de votre vaisseau. Là, c'est différent. Vous aurez une mission. Vous devrez sortir après par la Stargate. Vous regarderez dans les euh, dans les objectifs du jeu. Donc, objectif primaire, ça va être de pirater ces deux ordinateurs. C'est expliqué dedans par une action. Et ensuite, vous allez vous diriger, broup, composer le code de la porte des étoiles et sortir par là. Et vous allez rejoindre votre vaisseau qui a été déposé sur notre planète, etc. Tout est expliqué dans, euh, dans le scénario. J'avais quelques petites précisions aussi au niveau des décors, donc ça c'est pas dans les décors de base, c'est sur Battle System, je crois que c'est la turbine ou je ne sais plus quoi, comment ça s'appelle. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore J'ai ça aussi qui, euh, qui vient d'une extension de décor. Euh, bon les caisses, les caisses jaunes comme ça, c'est aussi une extension de décor. Je crois qu'il y avait cette, euh, ce décor aussi qui n'appartient pas ainsi que celui-là. Une histoire de, je me rappelle plus comment il s'appelle l'extension. Bon, peu importe, hein, vous les remplacer, ça c'est pas gênant. Hein, ça euh, limite, on s'en fout. Donc je reprends, piratage des deux ordinateurs. On se déplace vers la, pose de, la porte des étoiles. On compose le code avec une action. Donc tout cela, bien sûr, demande une action. Le piratage et, et euh, l'ouverture euh, de la Stargate. Alors, il faut pas oublier que là, justement, il, pendant le tour de la purge, il se peut que la Stargate se déclenche. Et, euh, et fasse rentrer des, euh, la purge et ensuite elle se ferme. Donc vous pourrez composer le code à votre tour après. Alors petite particularité au niveau des zones d'entrée de vos personnages, vous pourrez choisir par quelle zone d'entrée vous arrivez. Donc ça c'est important de le savoir. C'est pas une téléportation euh, au hasard. Non, vous sélectionnerez les zones d'entrée d'un point de vue stratégique, ça peut être intéressant justement d'apparaître à différents endroits, car dans les premiers temps, vous devrez vous rendre furtif, vous ne serez pas détecté par la purge, donc ça veut dire que ça va vous laisser stratégiquement le temps de vous mettre en place pour ensuite faire une espèce d'attaque coordonnée. Voilà, maintenant, on va prendre un exemple de furtivité, parce que cette question, je risque de l'avoir, donc on va regarder tout ça. Allez, j'avais à vous montrer un petit exemple de furtivité, on va dire ça comme ça, parce que j'avais envie que la philosophie du scénario soit tout d'abord, euh, on va dire, une introduction dans la base secrète, de se placer éventuellement euh, furtivement et stratégiquement en vue de lancer une attaque coordonnée en fonction du nombre de marchands que vous êtes. Et euh, effectivement, vous savez très bien que les, euh, la purge peut détecter la biomasse des personnages. Donc ça, pour l'instant, cette règle, vous l'oubliez. Simplement que, par exemple, ce personnage qui est là décide de se déplacer 1, 2, 3, 4, et ensuite il va utiliser une action sans effort qui va lui permettre de se mettre, admettons, à couvert. À savoir que la règle stipule dans le jeu que, euh, quand c'est au tour de la purge de jouer, euh, si toutefois un personnage est dans la ligne de vue euh, d'un des... Euh, des, persos, enfin des, des figurines de la purge, eh ils déclenchent l'alarme et à ce moment-là, ils se déplacent tous, parce que les deux gardiens au niveau de, euh, des salles sont, entre parenthèses, en veille. Seul le dévastateur... Que, qui est ici, que qu'on considère comme un patrouilleur, enfin vous verrez ça dans, les, dans le scénario, lui va se déplacer aléatoirement tout au long du jeu. Et euh, aussi le personnage qui est positionné, le Devastator, au niveau de la Stargate. Donc là, ils sont en attente. Donc là, en l'occurrence, ici, je ne me suis pas fait repérer, même si je suis passé devant, car on considère qu'il était en veille ou éventuellement qu'il regardait ailleurs. Tout ça pour mettre un petit peu de. Comment dirais-je, un petit peu de, 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 de tension dans le jeu, voilà, d'immersion, pour dire bah, tiens on va essayer de lancer une attaque coordonnée afin de libérer les places pour aller pirater les serveurs. Voilà en gros euh, le scénario. Donc n'hésitez pas à télécharger le fichier. Je vais vous mettre euh, en fin de cette vidéo un tout petit rapport de bataille avec quatre ou cinq photos que j'ai prise pour vous montrer comment ça s'est passé. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.